Salut donc, et bienvenue à Destiny 2! Écoutez, aujourd'hui c'est la journée où le bêta a commencé. Et j'ai décidé que j'allais faire un live parce que j'ai joué énormément à Destiny 1. Puis, j'ai pas vraiment vu les vidéos online sur Destiny 2, justement, qui est sorti déjà sur console. Puis, je vous comprends si vous voulez pas regarder ça parce qu'il y a beaucoup de spoilers. Ben, beaucoup. Il y a, dans le fond, le story du début, fait que l'histoire du début. Eh ben, il est tout là, fait qu'on va tout le voir ensemble, pis c'est ce que je veux voir. Fait qu'on va tout regarder la cinématique, et ensuite de ça, je pense que c'est pas super long comme jeu qui reste dans le bêta en ce moment. Donc on risque de tomber sur du PVP après. J'étais pas vraiment super bon dans le PVP dans le temps, fait que je pense pas que je vais être bien mieux. Surtout que ça fait un petit bout que j'ai joué dans le fond à un jeu FPS. C'est pas vraiment vrai parce qu'on a joué à Borderlands 2. Mais admettons si on oublie ça, ça fait un petit bout avant. Ben depuis que j'ai joué à un jeu FPS. Puis surtout au niveau compétitif. Fait que on est arrivé dans le fond au premier écran, tu laisses tout setup et tes trucs. Puis il t'amène à ce fameux 3 choix là ici. Moi quand je jouais à Destiny 1, me semble que j'étais un Hunter ou un Titan. Je sais plus exactement c'est lequel, mais je le trouve vraiment badass, puis je veux dire, il est capable de faire un bottle flip no problem. Il vient de le montrer. Fait que, sans plus tarder, on va essayer un Hunter. Fait que si jamais il y a des cinématiques, je vais essayer d'être plus ou moins silencieux. Justement, ben, voilà une cinématique. Pour vous laisser dans la zone. En passant ça en anglais, je suis désolé. Je sais même pas si ça existe en français. Tu te rappelles, c'est quand même aussi une bêta, fait que... Ah ben ça c'est quand même le trailer du début qu'on voit. Ben le trailer normal, mais en tout cas. Ok, je m'enferme. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now! Il faut être juste traduit on the fly, non ça, ça va être seul, ça va bien voir. C'est pour l'intérêt. Ouais, c'est ce qui se passe un peu. Bon, ben écoute, je pense que j'ai le temps pour expliquer vite vite ce qui s'est passé. C'était assez simple en fait. En général, ce qu'ils ont dit, c'est juste « Oh man, on se fait attaquer, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe? On a-tu des satellites en main? Y a-tu quelque chose qui peut nous dire qu'est-ce qui se passe alentour de de leur espèce de bâtiment qui était dedans? » Puis en gros, ils ont dit non, puis ils se font éclater la gueule. Un très gros résumé. Tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home?
No response on any channels. Even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Ouais, hein? Ça a pas de l'air super joué. Finalement, c'est pas du tout le trailer du début. Je pensais que c'était ça qu'il allait montrer, mais non, pas du tout. Fait que... Bon, ok. Fait que c'est ça, en gros, boss, c'était juste ça. Ok, ben, on arrivait à la... Ben, j'imagine ça, c'était nous, je sais même pas. Et puis, le petit ghost, là, le truc qui flotte, disait que, normalement, il disait qu'on volait trop vite. Puis, ah, attends. Descendre le volume pour qu'on puisse m'entendre mieux. Fait que c'est ça, il disait que normalement on vole vite. Puis là, ben là, il dit non, là, va falloir que tu voles plus vite. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, en général, ce qui se passe, c'est ça, c'était dans le fond le centre de l'attention, le centre social de Destiny 1, dans le fond. Fait qu'il va sûrement avoir des petits clins d'œil avec des trucs qu'on voyait dans Destiny 1. Tabarnak. Wouh! Oh! Oh, j'aime ça! Ok, je vais expliquer ce qui se passe premièrement avec... Pourquoi j'ai dit « Oh, j'aime ça », c'est premièrement, là... Quand j'ai joué à ce jeu-là, c'était sur console, sur Destiny 1. C'est vraiment pas la même affaire quand tu joues un FPS... sur PC versus sur console, là, les headshots sont pas mal plus faciles. Si on regarde vite, si je fais un... Ah, si je fais un headshot, il est en jaune. Fait que j'étais pas capable d'en faire tant que ça dans le temps. Là, c'est pas mal plus simple. Puis pour vrai, c'est vraiment fluide. Je m'attendais à une bêta. T'sais. Une bêta, c'est pas tout le temps super fluide. Oh. Bro. Alright. Quoi? Hein. Bon, ok. Fait que notre objectif, c'est de trouver Zavala. Je sais même pas c'est qui. Ça doit être une personne qui était assez importante en plus dans Destiny 1, mais ça me vient pas. Hey, il y a comme du nouveau monde aussi. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai jamais vraiment vu de robot qui ressemblait à ça dans le temps. Ben. En tout cas, j'ai toujours pas reconnu aucune place de Destiny 1, fait que rien de spécial là. Oh, on change de gun? Mais je l'aimais bien! Oh shit, c'est un gun légendaire straight up de même. Alright, je peux-tu l'équiper? Pèse F1. Alright, ok. C'était quoi? Ah, ok, ouais, c'était notre deuxième weapon. Ouais. C'était quoi? Non, ça, ouais, c'est ça, c'est notre deuxième weapon, fait qu'on va mettre le... Le gun qui est supposé d'être plus puissant. Mais c'est un... En même temps, c'est un pistol. Fait que c'est peut-être pas super. Je sais juste pas encore c'est quoi... T'avais comme... Ben, on voit un peu en bas à gauche, là. T'as plein de pitons, là. Ben, plein d'options, si on veut, là. Oh. Asti que j'aime ça. Je sais pas c'est quoi que j'aime, mais... Je trouve que c'est tellement fluide, mais... Là, je suis pas capable de tirer si ma vie en dépendait, mais... Il y a comme une fluidité, puis le texte qui voile. Ah, je sais pas c'est quoi, mais j'aime ça. Fait que sinon, si on regarde ça, c'est supposé donner des munitions. C'est ça, j'ai eu des balles pour mon premier. Ben, mon arme principale et secondaire. Fait que c'est bien à penser qu'il faut que tu fasses attention pour avec tes balles, mais officiellement, je pense que j'ai jamais eu de problème dans ma vie avec ça. Je suis assez conservateur pour les balles. Puis à date, c'est assez linéaire. Je pense pas que j'ai vraiment oublié ou checké de quoi qui manquait de quelque chose. Qui est. Oh, tabarnak! Yo, warning one, s'il vous plaît! What the fuck? Ouais. Je vais quand même laisser le pistol juste pour le. Oh, tabarnak! Oh, 445 quand même! Rien de moins! Oh shit, ok, ça fait comme du damage un peu à tout le monde en plus. Oh boy! Alright, bro.
Oh, shit. On va retomber à notre premier gun, puis on va tuer le dude. Toc, toc, toc. Tabarnak, man. Y'en a de la vie, ce dude-là? Non? Alright. Là, je viens en passant, on est en train de se battre contre des cabales. C'est dans Destiny 1, il y avait plusieurs types de monstres. Cabal était un de ces types-là. C'est comme des espèces de... Je peux pas te dire, c'est des robots. Ils ont comme l'air d'être des... genre de... aliens qui ont été transformés ou quelque chose. Je sais pas si je peux en voir un. Ouais, attends, on va voir s'il y a une face, lui. Non. Oui! Regarde! Fait que ça a l'air d'un genre de alien, juste avec plein de shit de robots par-dessus, un armure vraiment high-tech. Puis, c'est ça, en fait, si vous avez vu le trailer, dans le fond, de ce jeu-là, il te montrait que les cabales, ils venaient tuer les Guardians, qui est nous autres, pour enlever notre lumière. La lumière, c'est genre un truc abstrait un peu dans le jeu que le Traveler, c'est une espèce de grosse boule, cette boule là qu'on voit dans le fond là, ben elle en génère quelque chose comme ça, puis avec cette light là t'es capable de revivre, mais si on en a plus, on perd l'habilité de revivre. Et à cause de ça, selon les cabales, on est vraiment fort, puissant, et on n'a pas peur de mourir, fait qu'on est brave. Mais c'est ça, leur but c'est d'enlever ce truc-là, puis ils viennent nous tuer. Là, je sais que j'ai un pouvoir spécial que j'aimerais être capable d'utiliser, mais je sais pas c'est quoi le piton. Oh, je l'ai fait! Je l'ai trouvé! Je sais pas c'était quoi, mais c'était... Je pense que c'était F. Yeah! C'est tellement badass. Ah, mais pour vrai, c'est un peu différent pour... Si, j'ai l'air d'un... D'un Jedi, man! Il a même les sons. J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Mais même les sons sonnaient comme un peu Jedi-esque. Ok, j'imagine qu'il faut monter par là en fait. Je pense. Traduis-moi à chacun, s'il te plaît. Il a dit quoi sur ton live? Quoi? Il a dit quoi? Non, il y a d'autres mondes, parfait pas. And rumor is they have never known defeat. Until today. Today they face Guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. Bon, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire en ce moment, c'est justement un peu ce que j'ai expliqué. Ils sont en train d'attaquer cette boule-là, le Traveler. Puis, sans ça, je pense qu'on n'est pas capable de revivre, mais je peux pas être certain parce que il a jamais vraiment dit qu'est-ce qui se passe quand que ben ça meurt, disons. Puis ça c'est exactement aussi qu'on était dans le fond dans Destiny 1. C'était beaucoup moins brisé, puis il y avait beaucoup moins de monde qui était en train de mourir. C'était beaucoup plus amical. Mais tabarnak, man, c'est parce qu'il va falloir que j'y aille au toast là. Il y a du peuple. Get wrecked. Toi aussi. Oh! God damn, man. Ah! C'est des vrais humains! Des vrais humains! C'est justement ce que je pensais qu'il allait se passer. À un moment donné, dans le fond, tu passes du tutoriel à comme du... ce qu'il appelle open world, avec du monde. Puis tu sais même pas. Fait que là, ça, c'est du monde legit, sont en train de jouer. Puis tu finis par jouer avec eux. C'est quand même très nice. Fait que là, on a défendu la tour une fois sur trois, si on regarde à gauche. Puis il faut continuer à les défendre, tu sais. Juste. On essaie de sauver cette tour-là. Je sais pas qu'est-ce que ça. Oh shit! Je suis en train de tirer sur un allié. Pas super brillant. Pas super brillant. Ah, c'est quoi mon melee attack? C'est tellement. Faut que je le trouve à un moment donné, là. Il y a eu des moments où je l'aurais dit. Wow, bro! Toi, t'as trouvé ton melee attack! C'est quoi? Ok, ça, c'est n'importe quoi. Ça. Oh, c'est C! Oh, man, va falloir vraiment changer ça par contre. Mais C, what the fuck, c'est pour melee attack? Tabarnak, man, ils ont de la vie, man.
Je sais même pas. Ah oh oui, ok, ma vie est en haut. Je comme me fais canarder live. Puis. Oh my god, je fais le cave, c'est ça que je fais. C'est exactement rien que ça que je fais, le cave. Non, 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 non. Là, il faut que je me protège un peu parce que. Faut que ma vie régénère! Calmez-vous! Calmez-vous! Nice. Bruh. Hein. Ok. Oh boy, ok. Yo, Nico! Ok. Salut, mec! Oh, shit! Non, fuck! J'ai vraiment pas écouté ce qu'il a dit. Finalement, je pense qu'il fallait ce choix-là. Respawn, ok, parfait. Mais ils viennent pas de tuer, ok. C'est ce que j'allais dire, ils venaient de tuer genre un dude super important qui était un des guardians genre de la place. C'est quoi mon truc? Ah yes! Je vais devenir un Jedi, woot! Toutes les explosés et figures là. C'est tellement fort ce truc là. En PVP c'était vraiment the shit. Bon, fait que là, il faut aller voir The Speaker, qui était en fait la personne qui parlait avec la bubble là, le Traveler. Fait que c'est lui qui était capable de parler avec The Speaker, le Traveler. En tout cas. J'ai pas d'autres informations autres que ça, sauf que... Puis lui, il était tout le temps là en train de nettoyer No Matter What. Puis c'est ce qu'il fait encore. Mais là, il y a beaucoup plus de morts. Puis, ah, what? Ok, c'est ça que j'allais dire, il me semble que c'était par ici. Oh, merde! Ok. Ciao, man. The speaker is gone. Bon, ben, fait que le speaker est bye-bye. Bro! Ah, that badass. Oh, oh shit. Alright, fait qu'en général, elle est juste fâchée, c'est ce qu'elle a dit. Fait que là, il faut aller à... Le command ship. Je sais pas exactement ça veut dire quoi ça, mais c'est pas grave. On va aller là-bas. Oh boy! Yeah, dang. Si, qui est tellement fort ce weapon là. Ah, monte ta tête. Ah, bon. Je pense avoir un headshot. En passant, il y a une espèce de radar. On le voit pas quand je pèse pour zoomer. Mais en haut à gauche, quand je joue pas. Il y a un petit radar qui indique aussi que sont les monstres. C'est de même un peu que je voyais aussi qui étaient les monstres. J'étais pas super habile à ce jeu, je savais exactement où ce qui spawnait. C'était... Sauf tantôt, j'aurais dû peut-être plus l'utiliser pour savoir aussi que je me faisais tirer dessus, mais bon, c'est pas grave ça. Oh boy. Fait qu'il y a quand même une couple de nouveaux monstres que j'ai vus. Il y en a un ici, celle-là, là. Ah non, ouais, c'est ça, celle-là, il l'avait normal, là. Mais il y en a un qui pitch genre des flammes. Comme il y a un lance-flamme, c'est assez badass, ça, il y avait pas ça. Oh shit! Ok, là, je me concentre, il y a comme un boss, là. On va faire attention à ce qu'on fait. Ouais, finalement, tantôt, je disais que j'ai pas trop peur d'avoir assez de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, man? Ouais. Oh, dude! Tu te fais ramasser, man. Mais c'est même pas genre un boss, c'est comme... Un centurion, c'était un truc normal avant. Ouh! Un ship! Qui est à nous! C'est qui est à nous! Salut, Dylan Boys! Fait que si jamais un cinématique, je vais me fermer puis je vais monter le son du jeu. Pour vous laisser... Ah! C'est ça. Uh-oh. Je pourrais pas! Hold on back there.
Guardian. Time to kick him where it hurts. C'était quand même badass son petit move qu'elle a fait. Ouais, désolé, quand je tourne en action, c'est un peu plus difficile de lire les messages. Je veux pas me faire tuer parce que je peux garder de lire et de jouer en même temps. C'est un skill que je sais pas comment que il y a comme des gros YouTubers que j'autre qui ont comme des millions ben des milliers plus de personnes qui le regardent en même temps puis sont capables de lire quand même pas mal. Ça veut-tu dire qu'il faut que je jump sur ce truc là puis je me rende de l'autre bord ou je peux juste me rendre de l'autre bord? Ouais, fuck that, t'inquiète, okay, true. Ouais. Pas plus difficile que ça. Fait qu'en ce moment on est dans un vaisseau spatial des cabales, fait que de ces monstres là. Fait que j'imagine on va pas... On est sûrement pas invité. qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Le petit carré... Ah, ok! Parfait. Parfait. Reach Shield Generator. Fait que c'est ce que je me disais, c'était sûrement là-dedans. Ah non, c'est la grosse porte qui est ouverte! Parce que je suis un aveugle. Fait qu'il m'a dit que ça devrait être en bas. Ah, c'est bien, il me regarde pas. Yeah, Rexon. Oh shit, ok, il y en a plus que... Je pensais qu'il était seul. Fait que c'est pour ça que je suis allé en cowboy mode. C'est que... Je trouve vraiment que l'action est bien fluide, là, pour vrai. Là. Je sais pas si c'est comme je disais, la différence entre console et PC. Bah, c'est sûr qu'il y a une bonne... Ah, merde. J'ai une grenade. J'ai comme 2 millions de grenades. En fait, j'en ai deux sortes. Mais ce serait le moment parfait pour les grenades, là. Oh, bro. T'as pas de l'air faible. Et on va tuer le dude. Fucking loin. Ah, il est déjà mort. Parfait. Malheureusement, j'utilise mon Skype professionnellement. Fait que c'est vraiment juste... Mes amis très proches et ma job. Fait que je suis désolé. Mais en tout cas, mon baronnet, je l'avais déjà donné. C'est ça, moi j'ajoute pas mal n'importe qui ça lui tente. Je sais pas nécessairement que je vais répondre à tout le monde qui me parle. Mais tu sais, juste si jamais on a besoin d'autre monde ou whatever, ça se peut qu'on embarque ensemble sur une mission à un moment donné. Bon, fait que j'allais dire, je sais pas exactement si c'est par là, parce qu'il y a une petite flèche blanche assez intéressante qui indique où c'est qu'il faut que t'ailles. Ah, ok. Puis il pourrait être vraiment popé pour le contexte. C'est souvent c'est le problème dans ce genre de jeu. Oh, Jesus! Non! Des Psyons, ça c'est de quoi qu'il y avait aussi dans Destiny 1. Fait que c'est encore une nouvelle introduction live, mais. Ben, c'est vrai qu'ils ont eu un petit update, là. Ils ont l'air un peu plus cool. Oh. Oh boy. Woo! Bro! T'es mort. Faut vraiment que je change mon melee, par contre. Le melee qui est sur C, là, ça a aucun sens. C'est un peu comme... Oh, shit. Oh, man! Il est... Oh! Oh, man, j'ai fait un mini-saut. Je pensais que j'étais mort. Je pensais que je m'étais pitché dans le trou. Je voyais que... Ok. Je voyais que j'avais quelqu'un sur moi, fait que je me demandais ce qui se passait. Peut-être que je joue trop de... Ouais, c'est ça. Je joue tellement que j'ai peur d'exploser et mourir, mais pour vrai... On est comme un héros dans le tutoriel, là. J'ai pas trop peur, finalement. Ok... Oh! Ok, 2-3 personnes. Bon, finalement, ok, je devrais avoir un petit peu peur. Je suis allé all-in pour l'attaque, puis ça a fait quand même mal. Bon. Ici, bol. Oh, bro. T'as de la vie, toi. C'est pas comme tes autres mini-boss que je voyais. Eux autres, je pouvais y faire très mal. Oh, tabarnak, on jump. Oh. Je vais suivre la flèche parce que, comme je disais, elle est assez bon pour le contexte. Puis j'ai aucune idée où il faut que j'aille. À part tuer ce dude là, probablement. Oups. Calice. Je vous promets, à un moment donné, quand je vais jouer plus longtemps à ce jeu, je vais être meilleur à tirer.
Là, ça fait vraiment trop longtemps que comme j'ai joué à un FPS. Fait que c'est ça mon excuse. Meurs! Oh oh. Ça, je suis sûr que ça va faire mal. Fuck that. On va y aller en mode Super Saiyan Jedi. Là. Il mange de la merde. Ok, ben, il fait pas si mal que ça quand je suis d'accord encore. Oh boy! Oh shit! Je l'ai plus! Yeah! Direct. Toi aussi, puis. Toi aussi. Parfait! Selon un. Oh, Chris. C'est-à-dire, selon un map, je suis genre directement dessus un ennemi, mais. Je sais pas trop, il est où. Ah, ben. En fait, il parle, fait que c'est peut-être plus en bas. Waouh, j'ai tué une personne sans le voir. Oh oh. Fait que c'est ça. Ça, c'est les nouveaux monstres. Les Insane quelque chose. Ok. Bon, ça. Parfait. Puis, on va jumper de l'autre bord puis tirer ce qui est. Oup! J'ai pas eu peur! De quoi vous parlez? Dang! Bon! Parfait. Fait que je pense qu'il faut encore jumper en bas. Fait que finalement, j'ai eu peur pour rien tantôt. Rien de nouveau. Bon, fait que là, il dit que le générateur de shield est juste supposé être là. Boom! Punché! Ça, ça fait quoi? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Sauf que ça, j'ai perdu un cooldown à cause de ça. C'est n'importe quoi. Je sais même pas ce que ça a fait. Rien de spécial, là. Direct. Alright. Un autre! Tabarnak, man! Y'en a des boss dans cette place-là? Mais bon, on est vraiment, vraiment, vraiment fort! Je comprends pas. Je comprends que c'est une bêta en fait, puis c'est le tutoriel, puis ils ont fait ça super action packed là. Comme ça, c'est la première mission. Là. T'es en train de tuer 1 million de personnes, t'sais, c'est pas comme. Oh, what? Ah, ok. Quoi? Faut que je tue ça? Ou ça? Ou. J'ai pas rapport, puis faut que je tue ça. Ah! Parfait! Ah, sauf que ça vient m'attaquer. Bon, parfait. J'ai pas l'impression que je suis dans une place safe. J'ai ça de même. Oh, oh merde. Ok, c'est parce que... Ah! Il y a un assez gros truc. Est-ce que tu Discord? Oui, j'ai un Discord, mais ça, j'utilise très rarement. Puis c'est vraiment rien que mon personnel. Ah! On devrait avoir fini les 3 trucs pour le générateur. Les 3 turbines. Sauf que. J'imagine faut que je fasse de quoi? Faut que je sorte? Ah! Ah! Oh, peux-tu utiliser ça pour sortir? Ouais! Nice! Je trouve ça drôle quand même comme nom de mission, c'est Homecoming, ça veut dire le retour à la maison, mais quand ta maison ressemble à ça, y'a un problème. Fait que là on arrive à parler à personne. Je sais pas ce qui se passe. Et du bienvenue à un monde sans lumière. Qui était le light que je disais entre parenthèses. Qui était le truc qui faisait qu'on pouvait respawn. Y a-tu un ghost? On l'a pris au moins. Do not look at me, creature. Wow.
disciplined, cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you. Fait qu'il disait qu'on n'était pas brave pis que on a juste oublié c'était quoi mourir. Ça a l'air quand même assez sérieux. Destiny 2. Ouais, je suis désolé si le son était pas assez fort. J'arrive pas à sortir ma souris de l'écran. Hein. Puis je sais pas avant que je rentre dans une place s'il y a un cinématique. Fait que. Oups. Alright. Je vais justement l'augmenter juste un petit peu. Fait que. Dans le fond. Oh merde, ok, une chance que je parle avec quelqu'un, j'ai fraîchi en tabarnak live. Parce que apparemment il n'y a pas de press to talk ou quelque chose, fait qu'on va regarder ça tout de suite. Settings. Sound. Voice chat. On, off. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Fait que là si je parle. Woo! Yeah, good. Alright, open director. Fait que là, il y a un. Player versus player, fait que PvP. Il y a un genre de... Ben ça, c'était ce qu'on appelait genre des dungeons. Puis il y a un autre truc PVP. Puis sinon... Ok, parfait. Ça, c'est juste le monde. Bon, ben moi, je pense que... On peut essayer celle-là. Puis après ça, je pense pas qu'il y a un autre... mission ou quelque chose... qui te laisse voir. C'est juste vraiment parce qu'ils veulent voir si tout marche bien. C'est à ça que ça sert une bêta. Fait que c'est pour ça qu'il y a très peu de d'histoire et très peu de choses à faire autre que ces trois petits trucs là. Bon, fait que là on en a trois guardians. J'imagine qu'on a droit encore de respawn, je trouverais ça assez spécial. Mais sûrement dans quand tu joues dans l'histoire normale, sûrement c'est enlevé cette histoire-là de genre d'espanner, c'est quoi cette histoire-là. Fait que j'ai hâte de voir pour vrai comment que ça va être intégré dans le jeu, parce que la plupart du temps tu pouvais mourir puis revenir, mais là non. Alright. En fait. Ok. Ouais. Je sais pas exactement on est sur quelle planète. La plupart du temps, ils te le disent. Là, c'est vraiment comme... Pas vraiment dit. Puis ils sont déjà level 20. Je sais pas si moi aussi, je suis déjà level 20. Ça pourrait expliquer pourquoi on est vraiment très très fort. Faut que je cours. That's kind... Ça ressemble un peu aux planètes de... je sais pas si vous avez déjà joué au jeu... Oh shit! Il y a les... Ah, je me souviens pas c'est quoi le nom de ces bébites-là, mais... Ben, de cette race-là, mais c'est l'autre race. Ben, une autre des races. Ça ressemble un peu à genre du No Man's Sky, ce truc-là. Ok. Bon, j'étais en train de apparemment pas faire ce qu'il fallait que je fasse. C'est correct, ça. Il y a de l'air d'avoir du monde qui savent ce qu'ils font. Ah, ça me gosse que je me rappelle pas c'est quoi le nom de ces trucs-là. Fait que là, notre but c'était de hacker ce truc-là. Notre beau petit allié Higher Claw l'a fait pour nous. Press forward. Ok. Fait qu'on s'en va. Oh bro. Oh boy. C'est rien que du vide en dessous. C'est pas grave. Oh shit. Oh fuck. Je suis bon, man. Je suis capable de jumper. Nah. Oh boy, oh boy. C'est parce que ce qui est chiant, c'est que tu sais, la part des jeux que tu fais des trucs de saut comme ça, ils vont te laisser avoir un petit peu de manœuvre quand t'es dans les airs
pour te déplacer. Celle-là, non. C'est que t'as sauté, tu t'en vas dans cette direction-là. C'est les Hex! Merci, merci, merci. J'étais vraiment pas sûr. Oh, what the fuck? What? C'est donc bien cool, ce truc-là. Boom. Fait que, quand tu réussis les missions, les espèces de dungeons comme on est en train de faire là, souvent t'as des récompenses, puis ce qu'ils donnaient comme récompense pour celle-là, c'était un weapon légendaire. Normalement, je vous dis tout de suite, dans le vrai jeu, ça va pas être comme ça. Mais là, il y a comme 3-4 weapons légendaires qui sont sortis. Fait qu'ils essaient de te faire donner le plus tôt possible pour tester un peu toutes les sortes de mécaniques qui existent. Tavern, c'est vraiment très cool ce truc-là. Je sais juste pas si je vais à la bonne direction. Oui, non? Ouais? Ok. On suit les autres, ils ont de l'air de savoir ce qu'ils font, pas moi. Comment ils donnent un peu plus d'informations aussi ce qu'est-ce qu'on fait? Oh, là on a plus le droit de respawn! Woot woot! Si je meurs, je meurs! Ça me dit de quoi? Il me semble qu'il y avait des places de même dans le premier où tu pouvais plus respawn. Oh tabarnak, une chance j'ai pas manqué mon... Aïe aïe! 10 sur 10, aïe aïe! Ça a fait crissement mal, please! Pas refaire ça. Y'a-tu comme une manière où qu'on peut jumper pour pas que ça fasse fucking mal? Ah oui, parce que tu pouvais pré-jumper juste avant de manger ton damage, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai complètement oublié ça, fait que... Hein? Hein? Ok. Oh yes! Asti que c'est fort ce weapon-là. J'aimais bien les pistoles justement parce que c'est... Ben, je suis plus une personne qui tire très peu puis qui va essayer d'avoir pas manqué sa balle. Même si c'est pas nécessairement tout le temps des crits. Mais... Puis le truc automatique c'est bien cool parce qu'il s'en fout un peu que tu manques ta shot, mais... Fais en sorte... C'est lui qui a fait ça, c'est fucking cool. Fais en sorte que c'est un peu moins puissant. Pis bah, sinon tu peux y aller vraiment intense avec un sniper là. Pas mon style de jeu non plus. Ah si, j'oublie tout le temps de jumper. Là c'était pas super, mais... Ok. J'aime bien qu'ils savent où aller. What's up, bruh? Il est surprenant comme... Ah si, ce dude là il est tellement noob. Oh boy. Ouh! Ok, ben tu peux pas rejumper deux fois apparemment. Eh tabarnak, non, touche-moi pas. Yo! La seule règle, on tue pas un mat. Alright. Good. Doom, doom, doom. Supercharged. Ça c'est nice, on va pouvoir l'utiliser bientôt. Que les guns sonnent tellement bien. Toc toc. Savez-vous que beaucoup des gens, apparemment, sur YouTube, ne jouent pas à Destiny ou des jeux de ce sorte-là parce que maintenant, ils ont des. YouTube a un genre de truc qui dit que. Qui te laisse pas monétiser tes vidéos si t'as genre des armes et tu parles de guerre. Fun fact. J'étais vraiment pas au courant. À un moment donné, j'ai lu de quoi de même, pis j'étais ben moi, je m'en fous, je fais pas ma vie sur YouTube, fait que je peux bien jouer à ce que je veux, mais d'autres mondes ont pas le choix de pas y jouer. Si, ben, ils peuvent y jouer on the side, mais ça fait en sorte qu'ils gagneront jamais d'argent. C'est juste pour ajouter au fun de la guerre de YouTube avec les créateurs, pis les... Pis les toute cette histoire-là que, ben moi, je m'en mêle moins, disons. Oh, shit. Il y a du peuple. Oh, ok, on va pas essayer de tirer sur un... Oh, what? Il y a comme des petits chiens. What? Ça, c'est nouveau. Oh, bro, don't die! Pas le temps de mourir, pas le temps de mourir. What the fuck?
Yo, c'est quand même cool, il n'y avait pas ça avant. Avant, c'était pas mal tout le même genre de grosseur, disons, de monstre. Ben, c'est pas vrai, les cabales étaient tout le temps super gros, mais à part de ça... Ah non, pas les putains de shield! Surtout que je suis... Oh man, il a tellement réglé son cas! Wow! Ouais, eux autres, ils ont clairement déjà fait la mission. Ils sont en train de faire ça pour toutes les autres légendaires qui ont pas eu encore. Moi, comme je sais même pas aussi qu'il faut que j'ai... Quand est-ce que je devrais utiliser mon pouvoir ou pas? Oh! Il a fait un shield, il a fait un shield! Mange la marde, Colossus. Bon. Fait que notre but, c'est de rentrer là-dedans. On va rentrer avec un petit bonjour bien gentil. Oh, tabarnak, je compte le boss. Alright. J'étais contre le boss. C'est peut-être pas une bonne idée d'y aller solo demain, mais... C'est chill. Oh. Là, j'ai juste plus mon pouvoir super OP, fait que... On va pas rentrer dans le tas. E-boy. Ah, puis justement, les espèces de boucliers qu'ils ont... les cabales, justement, il y a un bouclier de feu. Fait que sûrement qu'ils ont déjà intégré ça, mais... Si t'avais un arme de feu, tu tuais plus facilement les personnes avec des boucliers de feu, puis du monde qui avait des boucliers hauts aussi. Ça a de l'air comme les trucs de tantôt. Hein. Oh, tu sais que c'est badass, man! Alright! Suivons notre party! Alright, ben on va venir ici puis on va interagir avec. Fait que là on essaie de pogner leur drill. Apparemment on est dans une drill en ce moment, je sais pas pourquoi une drill. Je sais pas à quoi ça sert comme drill. Mais c'est le but de la mission. J'imagine ils voulaient pas trop me donner d'informations parce que c'est justement une partie de l'histoire, tu sais. Mur. Ok, puis il faut juste qu'on tue puis qu'on reste ici. Il y a quand même pas mal de personnes. Oh, Jesus! Les petits chiens, man! Les petits chiens. Mais c'est ça, ce que je trouve bien quand même de ce jeu-là, c'est que... Normalement, il y a quand même un bon petit challenge quand tu fais des raids. Qui est comme l'autre niveau après les donjons. Puis il faut que t'aies des amis pour t'aider pour jouer à ce jeu-là. Puis on a aussi une bonne communauté de PVP que je vais justement faire au moins une game tantôt. Juste vous la montrer, ça a l'air de quoi. Il y a deux maps, je pense, de sortie qu'on a vu. Fait que... C'est le but après tout ça. Ok. Ow! Bro! Ça fait mal! Dang! Oh, shh! Je suis mort! Ils ont dit en plus qu'il n'y avait pas de respawn, mais je suis mort. Au moins, t'as un respawn finalement dans 30 minutes. 30 minutes, 30 secondes. Y'a un ami gentil! Fait comment le noob il est mort. Ha ha ha. Je suis désolé, man. My bad. Ah, c'est ça le drill! Ah là, ça fait beaucoup plus de sens. Pourquoi il drill, je sais pas trop. Mais elle est grosse en tabarnak. Genre 10 sur 10 grosse. Oh, on va rentrer un peu dans l'action, il me semble que... Quand t'es mort pour comme X nombre de temps, tu fais comme. Me semble il manque de quoi là, dans la vie. Tabarnak. Puis en plus, il y a ce truc là qui nous gosse. Je sais pas si. Ah, ok. Un des alliés s'en est occupé parce que sinon, lol.
Est-ce qu'il faut jumper sur ces trucs-là? Je suis pas down. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. On n'est pas vraiment dans une place full chill, les mecs. Oh dang. Ah ok, ça c'est cool. Je pense que si tu tires sur leur truc rouge au centre, maintenant des boucliers. Oh shit. Pas le temps de se gratter. Tu peux maintenant les faire qu'ils enlèvent leur bouclier à cause de ça. Get wrecked. Fuck it. Boom. Parce que là, je suis en train de manger une claque, là. God dang. Puis, ce qui est le fun, c'est quand je décide de faire ces attaques-là, comme vous voyez en bas à gauche, c'est écrit Shadow Jackie Generated One Orb. Ça veut dire que j'ai fait une espèce de bulle blanche. Puis, ce bulle blanche-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça avance ton truc de supercharge que je venais d'utiliser, où je deviens semi-Jedi, là. De 1. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça représente, 1, mais souvent ça avance quand même bien. Puis plus de monde que je suis, plus de monde, plus de petites globules blanches que je crée. Fun fact. Ok, là j'ai encore plus le droit de die. Mais tantôt j'ai die puis j'étais chill. J'ai l'impression que c'est le boss. Je mettrai pas ma main au feu, mais ça a l'air d'un boss. Oh shit. Ah, yay, j'avais une balle dans mon gun. Normalement, t'essaies de recharge un petit peu plus vite que ça, mais oups. Oh my god, man, il est huge! Dang! Je sais pas exactement où ce qu'il faut qu'on y tire dessus, mais il est pas petit. Puis là, il se téléporte. C'est un peu OP. Oh, un harpy, on va tuer ça. Là. Avant qu'il nous tue nous autres. Oh shit, il y a quelqu'un derrière nous apparemment. Oh, rien que le boss. Rien que le boss qui était derrière nous. No prob. Oh tabarnak. Yo, il y en a des harpies. Oh shit. On a changé de weapon vite vite. Alright. Ah! Dang! Ouais, fait que là. Oh! Yo, une chance, je m'étais tassé. Bon, on va y tirer dans le dos, je suis sûr qu'il apprécie. Oh fuck. Harpies à la volonté. On va essayer d'aider nos alliés ici. Oh shit, des harpies super tough! Pardon? Je vois rien. Ça fait peur. Check dans le radar pis y'a aucunement personne. What? Ils ont juste enlevé le plancher! What the fuck? Alright. Standard comme... oh shit, ok ouais. On va se protéger un peu. Hey, mange la merde. Ah oh, ok! J'ai trouvé son point faible finalement, c'est en dessous de sa tête. C'est genre son manteau. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Ok, je regrette tout! Je suis désolé. On va se mettre derrière son... Woo yeah! Alright, fait que là, je peux revive au moins quelqu'un qui était mort pile à côté de moi. On va aller revive l'autre dude qui était mort là-bas. Parce que c'est très important de revive tes alliés dans ce jeu. Sinon, tu finis, t'es seul, puis ça va fucking mal souvent. Mec, j'étais tout seul pour 0.2 secondes, puis j'étais quand même correct, là, mais... On claire tout ça. Y'a du peuple ici. Y'a-tu du peuple ici? Yee tabarnak! Boss! Le boss, il vise beaucoup. Oh shit, oh shit! On se met sur une plateforme. Puis on y sac des belles petites balles dans le front. Ouh! Oh boy. Oh boy. C'est ce que j'allais dire, j'avais plus de jump. J'allais manger une sale claque.
Mais me semble dans le premier, en plus, on détruit ce qu'il appelle le Mind, qui était le truc des Vex, fait que ces monstres-là, qui contrôlaient ces monstres-là, en fait. Oh yes, dans le front, man, dans le front. Bro. Fait que, I guess il est revenu. Oh boy. Oh shit! Là, il y a du peuple. Eh boy. Je commence à être bas un peu en balle. Ok, puis ça fait mal. J'étais pas sûr, fallait que je l'essaye. Famous last words. Le boss est où? Ah, il est là. Ça fait tout en peur quand tu sais pas où est le boss. Ah, c'est... Supercharge! Non. Si, apprends à viser, please. Alright. Pas mal mieux. Oh boy! Hey, il est bientôt mort! Il en reste vraiment pas gros. Et il a plus de tête. Je sais pas c'est quoi son point faible. Sa tête est partie! On y tire n'importe où. Oh boy. Bon, on va aller essayer de fesser avec ça. On va voir ce que ça donne. Il est mort. Bon, on va essayer de sauver la vie des autres. Ouh! On va se mettre dans la petite bubule. Nice! Ah ouais! High five, si on a réussi. Fait qu'on a eu deux items. On va regarder ça après. Surtout que je sais même pas... Je sais même pas comment ouvrir le menu, je pense. Non. Ah oui, c'était genre F1. Ok. Il y avait vraiment pas grand chose finalement. Ouais. Ça a l'air pas mal tout pareil. Oh, tu vois, j'étais pas si pire. J'ai créé le plus de orb. Ok, je sais pas tirer. Mais en kill, j'étais deuxième. Pas super. Fait que là, si on pèse haut pour retourner au orbit. Et on va aller se faire une petite game PVP. Parce que, comme je dis tantôt, c'était juste ça qu'il y avait. Fait que là, il y a un quick play 4v4. Ou un quick play 4v4. Il y a un low intensity, high intensity. On va essayer un high intensity, puis on va voir ce que ça donne. 8 personnes! Ouais, j'avoue, c'est un 4 contre 4. À quoi je m'attendais? Donc, côté histoire, on a pas encore énormément d'idées qu'est-ce qui se passe. Yo. That's cool. Je peux remontrer mon truc. Je sais pas si je peux déjà ouvrir. Ouais, ok, cool, je peux. Ah, ok, nice. Ça, il y a Gunslinger, qui est l'autre classe que tu peux être. Ou sinon, Arc. Fait que moi, j'étais l'espèce de Jedi. Super cool, moi, j'aime bien. Auto Rifle, Hand Cannon. Ça, ok, parfait. Non, ça ressemble pas mal à ce que j'aurais aimé, anyways. Ah, mais je vais prendre un Grenade Launcher. Surtout en PvP, ça va être pas pire, ça. Puis si je regarde, j'ai rien d'autre. Pas de clan, pas de... d'argent, settings assez de base, ça va bien se faire. Juste si, il faudrait vraiment que je change qui je veux. Oh merde! Merde, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Launch. Fuck. Je me suis enlevé comme un gros Twitch, j'ai fait escape à la place de F1. C'est vraiment chiant que c'est F1. Je veux juste changer un de mes contrôles. Si je veux au moins être capable de tuer quelqu'un, ça serait pas payé. Je peux-tu changer? Button layout. Default? Non? Key mappings! Ah, parfait! Fait que là, on chercherait un... Private player, quand même. On chercherait melee. Tac, parfait.
Nice, nice. Reload, jump. C'était quoi le... C'était pas vraiment super cool, je pense. Ouais, F. Ah non, F c'est chill. F c'est chill. Alright. Save. Dismiss. Chill. 8! Boom! Ok. On va essayer le PvP. Je vous avertis, je vais pas être le premier. Je vais essayer de pas être le 8e. C'est-tu pas pire, ça? On va se faire au moins l'idée de... Je vais pas être 8e, ok? Si je suis 8e, ben... vous pouvez tout rire de moi. Ah, c'est vrai, un truc qui était cool. Dans le 1, tu pouvais avoir ton propre vaisseau. Fait que tout le monde avait comme leur vaisseau, puis c'était nice. Durant le loading, c'est le seul temps que tu vois ton vaisseau. Ou quand tu choisissais les maps. Bon, là on s'en va Midtown Earth. Fait qu'on s'en va sur la Terre. Là, ce qui aide pas, c'est que moi je connais zéro les maps, puis le reste du monde sont probablement genre des experts. Rien de moins. Ok, fait que... On va chiller avec tout le monde, je pense que c'est pas une mauvaise pratique ça. Je pense que c'est un genre de capture de flag. Oh, oh, bruh. Nice, on est genre 1 million de personnes ici. Oh shit! Me lancer une grenade, le méchant. Oh non, je suis mort! C'est vraiment à cause de la grenade, ouais, c'est ça. Et on voit en bas que je suis mort d'une grenade. Je sais même pas comment lancer encore. Oups. Oh boy, ok. Mes alliés sont freaking forts. Je suis pas dernier. Ok. Fait que c'est un... T'as une vie. Ah, je suis pas habitué de jouer à genre des trucs une vie. C'est comme un genre de PUBG, genre. Oh, 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 bruh. Ok, je suis vraiment pas fait pour ce jeu ou quelque chose, je comprends pas. So fucking fort! Ok, mais mes teammates dessus sont assez mongols là, parce qu'il reste 2 contre 2, de ce que je comprends. Ouais. 2 contre 1! Oh boy. Yo, ils sont forts! Lui, ce dude-là. Oh! Puis on m'a res! Je savais même pas si c'était possible, ça. Shit. Il est là, il est là. On va essayer d'avoir un kill. Non! God damn it. J'étais vivant tout le long, ok? Tabarnak, man. Alright, je suis 8e finalement. Mais là, je m'attendais pas que je jouais contre des genres de. Streamers de Mongols qui ont joué leur vie au complet sur des FPS. Tabern. Disons qu'on va essayer de. De pas mourir. On va essayer de faire ça. Ok, là, j'ai regagné ma vie au moins. Ah, nice. Oh yes, come on, reviens, reviens. On va rester avec Hades, il était assez badass ce gars-là. Oh, ça sonne vraiment violent comme truc. Je vais essayer de résister ce dude-là après. Ah, oh, man, je suis vivant. Je vais venir te res, though. Je les ai. Ok, au moins je suis pas mort. Ok, fait que là, tantôt on était genre en mode attaque. Là, il faut qu'on défend ces places-là. Ok, puis c'est un genre de toggle. Oh, je suis pas habitué à ça. Ok, fait qu'il y a de l'air d'avoir personne ici. Oh non! Max attack, don't die! C'est pas le moment.
Come on. Enemy charge has been set. You know what to do. No! Merde. J'étais proche, j'ai fait quand même pas mal de damage, mais. Merde. Ah, puis en plus ça va exploser, c'est pas super ça. Je pense pas qu'il y a le temps de venir. Il faudrait qu'il tue tout le monde aussi. Ouais, ça se passait pas. Come on. Ok, fait que là, maintenant, c'est nous autres qui attaquent encore. Tantôt, ça allait bien qu'on allait à Ruggs. Faut que je vais aller à Ruggs. Ici, bol. Nope. No! Hades, il est mort! Parfait. On set le charge. On set le charge, puis on reste set. Oh shit, il y a quelqu'un derrière nous. Merde. Oh non, il reste juste une personne. You. Il nous reste une personne. Ah ouais, il nous reste lui. Come on, bro. Oh, come on, faut quand même que ça explose. Fudge! Alright, c'est bon. On va lui donner ça. Ouais, j'avoue que j'aide pas mon team, hein. Je suis sûr qu'ils vont aller Ruggs comme nous autres, là. Viens-tu Ruggs? Oh shit. Non, ils viennent. Oh. Merde, il y a une personne proche du site. Hi, tabarnak, ouais, j'avoue qu'à quoi je pensais. Ils sont vraiment forts. Je comprends pas. C'est vraiment du monde qui ont joué intense. Je sais pas si un. Je vois qu'en ce moment c'est 3-3. Puis qu'il y a quand même pas mal de. D'espace avant qu'il y ait quelqu'un qui gagne, mais. On va vraiment marcher comme à des coins bâtards, voir si ça change de quoi. Come on, Hades! Ouais! J'ai finalement fait un truc! Genre, ish. Je sais pas si je peux voir de quoi, mais. One enemy left! Oh, j'ai vraiment fait de quoi? Peut-être! Ok. Ça se peut qu'on gagne le quatrième round, là? Oh boy. Oh! Il reste seulement une personne, puis j'arrive pas à trouver qui tue quoi. Ah, oh, puis il reste juste un allié aussi. Oh! Il a tout tué! Est-ce qu'il est bas. Il est badass, lui? Nice. Ouais, j'ai un point! Ok, je suis 8ème. En fait, je peux pas vraiment dire que je suis 8ème. Je suis 7ème parce que par défaut, il y a pas un 8ème. Mais ça reste que je suis pas ben fort. Fuck man, ça enlève de la vie ce truc là. What the fuck? Oh, j'ai trouvé ma grenade, mais j'ai fait ça comme un cave.
Asti. Nice. On l'a juste distrait. Bon, fait qu'il reste quelqu'un ici de quelque part. On va venir avec lui. Je suis sûr qu'il va nous arranger ça. Oh non. Oh non. Oh. Comment être fucking cheap, juste genre je revive le gars invincible devant moi, juste super OP. Alright, fait que là il faut qu'on aille tuer un bro. Wouh! Man, defuse him! Ça va être chill. Je pense. Je dois admettre que pendant un message, j'étais comme oh non, je vais peut-être die. Oh, pis là, je pense que après ça, c'est le round qui décide tout. J'ai eu deux points d'offense. Oh, mais j'ai mon super duper spell. Bon, on va essayer de se concentrer un peu. En suivant le reste du groupe. Tabarnak! On va essayer de le trouver. Ah, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. BOOM! Je l'ai tué? Fuck, c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué! Cadam! Esti, mais on a gagné par défaut. Ouais? Yeah! Dang! Alright! Bon ben j'espère que vous avez aimé ça, pour vrai ça va être tout pour aujourd'hui pour pas vous écœurer de Destiny 2. Puis en plus je suis pas super bon en PvP comme vous pouvez voir. Fait que j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner à notre chaîne, allez voir notre page Facebook et Twitter. Aussi Simon a posté une vidéo qu'on s'en allait quelque part de spécial. Il a tout donné des descriptions dans la vidéo juste avant celle-là. Fait que allez voir ça, fait que sinon... On se voit à la prochaine. Bye bye.